même si l'Église catholique a voulu entrer dans un jeu de négociation économique, il n'y a pas de moyen pour ça. C'est charité qui a pas l'obligé de demander pour le faire. Or, nous ne sommes pas 5 prêtres. Nous sommes des centaines de prêtres, non seulement à Port-au-Prince et dans tout le pays, nous en pile. Donc automatiquement que, comme institution, nous allons dans le jeu, dépenser, demander pour jouer une corps pour libération, l'on paix, même le monde qui a fait lieu, même l'autre groupe monde qui a fait le petit peu partout dans la zone de Boulier, il a rentré dans le même jeu ça. On n'a pas les moyens de ça. Donc nous pas sortir de là, l'Église catholique n'a pas entré dans la logique négociation, l'argent. Pour libération otage. Alors, on a fait voyou arriver côté pour arriver, on a fait la prière, on a fait tout ça ce qu'il faut pour que bon Dieu débouche libération otage. Mais yo enlevé mon religieux et révérend petit homme, c'est l'argent et souvle mon qui enlevé a demandé. Pour libérer. Dernièrement, m'étendre yon bride de échange. Une responsable gagnée sur un média qui t'a parlé de certaines choses nous-mêmes qui dépassaient dans la mesure. C'était ici. Bien d'accord, il t'a parlé que comme il y a deux Français qui n'ont groupe otage. Vous gardez la parole. Et la France, Louis et Haïti. Haïti, ça et là. Ça, c'est des questions politico-idéologiques. Et c'est ça qui fait que nous pensons que nous avons même osé, au lieu de parler de kidnapping, nous avons parlé de prise d'otage. Donc nous ne connaissons pas qui est derrière tout ça. Mais nous, le seul bagage que nous souhaitons, c'est que et tout le monde qui fait partie de Gomio, pour arriver à connaître que le monde qui n'a même pas, c'est un bande malheureux, que ce soit haïtien ou français. Qui débaille la vie pour venir en Haïti pour aider propre petit même monde qui n'a gang à l'école d'ailleurs dans zone côté yo prend pays religieux zone son zone qui était abandonnée qui pas gagné la donne. C'est l'Église catholique qui mettait lion l'église dans zone là, il veut pas l'église là comment s'y mettre l'école, comment s'y mettre ses activités pour mon mieux qui commence à rejoindre goût à la vie. Ça veut dire même mon qui n'a pas aussi même qui t'a aidé famille dans même zone encore. Et c'est des prêtres de Saint-Jacques, c'est pareil que nous possédons. Donc, fort de cela, nous pensons que, par-delà tout ça qui est capable de bien comme idéologie, que nous respectons, parce que chaque monde libre pour penser par eux. Mais au moins, les gens qui n'ont pas eu, quand vous arrivez à comprendre que c'est des gens qui apparaissent comme des victimes, parce que, en ce qui a trait à l'idéologie politique, ou qui est capable à la base de toute idée de négociation, d'après les dires de chef de lieutenant chef. Oui, c'est l'amour sans jour. On a produit des chefs gandos, plagué Péo, plagué religieux, c'est nous qui avons 22 ans, c'est un père qui prend plusieurs balles déjà, qui n'est pas même capable et vivre les lipas. Otage, tellement comme si il y a des souffrances qu'il a enduré. En temps normal. Notre pays qui est obligé de prendre insuline 2-3 fois par jour. Et tout le monde, c'est la même idée pour aider même les gens qui sont dans la zone. Donc, moi, je dis ça tout simplement. Et c'est que monsieur essaie de prendre une petite crasse conscience et relâcher missionnaire pour que même travail de support à la société à tous les niveaux, travail continue. Est-ce que nous parlons avec l'église là, parle avec gang directement ou bien c'est famille chaque monde qui parle avec vous, qui ça fait contact vous, comment vous fait? Normalement, nous pas qu'à parler de comme si nous contact au niveau d'une certaine échange de paroles pour que telle ou telle chose soit. Mais nous essayons, même je nous fais la soirée à travers radio, à travers l'émission Bouquet de la Parole, nous souhaitons que même je moi-même m'étendais. Lorsque chef de gang a parlé grâce avec nous-mêmes, nous sommes des mêmes gens tout, mais attendez que m'a parlé à travers nous-mêmes pour arriver à comprendre que Kimbe
moun en otage pas résoudre le problème pour autant vu que moun sa aussi des missionnaires et comme missionnaire c'est pas moun qui possède en rien que yoyé et attaquer de par là une institution qui a aidé yo aidé dans l'hôpital aidé dans l'école aidé yo et à tous les niveaux par exemple l'autre dit l'église en côté c'est laisse à tout marcher rassembler tout le monde rassembler attaquer nous c'est comme si c'est une perte de temps que lié son très mauvais calcul nous souhaitons que de par couloir ça nous t'en dit nous et même si tout l'église a essayé d'utiliser plusieurs couloirs de communication pour que message par yo arrive dans les oreilles monde qui est fait les otages. Donc l'église n'a pas un contact direct avec chef gang yo. Vous gardez la parole. L'église n'a pas un contact direct avec chef gang. Raison? C'est parce que nous n'avons pas trouvé que l'île totalement nécessaire et personne que nous gagnons qui ensemble avec nous et monde qui a supporté nous, monde qui connaît plus ou moins et zone d'ailleurs en partie l'opérant l'église de l'Immaculée Conception qui n'a galette Chambon dans zone ça même c'est parce que dans zone là il y a pile monde qui non organisation donc ça sorti donc comme si on t'a dit que c'est comme si mon yo coupé propre droiture parce que c'est même nous même comme père malgré tout zone là il était abandonné tout monde était dans zone là tout le monde dit que vous traversez zone pour des bouquets ou bien pour avec groupe et donc ça mais nous même on était pas courage nous à deux bras parce qu'on dit que si gentil monde dans zone là si grand monde dans zone là c'est rôle nous comme église malgré tout risque qui gagne pour nous traverser pour nous aider mon ça et c'est n'a aider même mon ça yo que on senti que il y a un retour de non compréhension à travers que façon de kidnapper nous yo de mettre nous en otage nous pensons que nous essayer pour que conversation yo pour que parole yo de par plusieurs options arriver sous monde qui fait et kidnapping yo et nous pensons que à ce niveau ça se dit parce que communication est passée. C'est vrai nous pas négocier nous pas obligé tourner sous question ça avec vous révérend et petit homme qui ça a demandé nous même nous pas décidé et négocier mais qui ça a demandé normalement je pense que dans l'interview que vous avez avant hier là vous avez posé même monde ça a eu question. Et je t'explique au clair que. Alors, je dis, normalement, je dis tout, il ne va pas révéler, il ne va pas discuter dans la radio, il ne va pas discuter en public, sans privé, il discute ça. Bon, oui, on t'a senti que porter parole là, t'es un dirigeant politico-idéologique, nous l'été dans ça, sans que il n'est pas nécessaire, nous penser, pour nous rentrer dans certains détails, nous-mêmes également. Ou t'as plus quoi, kidnapping, cette prête de religieux, les rapports politiques? Radio Mega. Que nous pas dit, nous t'en dit, et nous avons essayé d'analyser en profondeur. Ça, mais c'est vrai, nous pas de contact direct avec eux, mais nous connaissons comment est ta santé et moun qui n'a meilleur depuis 11 jours, comment vous traitez yo, est-ce que manger, est-ce que nous gagnons toute information ça yo? Normalement, nous gagnons des informations pour que nous capables de dire qu'il n'y a pas de cas de mortalité parmi les otages, parce que grand pile rumeur qui circule souvent de fois. Moi-même, il y a une rumeur de cas de mortalité. Mon précédent, pendant 3 jours, chaque fois, après 11h midi, autant des grandes notes qui sortent qu'il y a un tel otage qui est décédé. Là, nous sommes capables de confirmer à 100% que pas de cas de mortalité. Et c'est vrai que les conditions de détention ne sont pas faciles, mais ils sont là. Et puis, il y a qu'un lit. Pas gain viol tout puisque ça li parle en pile sur réseaux sociaux pas gain viol pas gain pression qui fait sur yo c'est complètement faux et je le dis avec précision et insistance il y a pile d'informations qui a circulé sur les réseaux sociaux concernant et point que souligner you fait payo coucher avec mais pas gain ça. Non, ça c'est totalement faux. C'est peut-être qu'on est bien pile fois, bien pile monde qui gagne
ti réseau yo qui a cherché créer sensation. Donc il a écrit, il a dit peut-être des choses très malheureuses pour capable créer des sensations, mais nous-mêmes nous capable dire comme il y a une communication et en suivant 16 ans et qui gagne des informations précises à partir de équipe communication que tout ça que vous dites concernant viol, concernant d'autres choses, c'est complètement faux, qu'il n'y a pas de cas de mortalité. Et à ce niveau, nous pensons que otageux là, il y a qu'un des conditions difficiles, c'est vrai, mais tout le monde vivant, tout le monde là, et pas gagné en rien de totalement négatif dans le sens de voice, mais a fait circuler des fois. Et ta santé pas déplorer, ça pas déranger, et père révérend et petit homme, ben nous non, et 9 otages qui jusqu'à présent, après 11 jours, toujours dans main, et groupe gang 400 Marozo, puisque yo réclamé là, dans Boukanté la parole. Radio. Bon, normalement, on capable de plus de précision, et de moi qui te normalement, nous connaissons que c'était dans dimanche matin que tout missionnaire est allé dans Galette Chambon, dans l'église de Notre-Dame de l'Immaculée Conception, pour qu'on installer Père Anel comme nouveau curé. Donc, tu as qui sorti Port-au-Prince dans le local Père Saint-Jacques, Père Evans Joseph, Père Michel Brillant, qui sont prêtres français. Il y a également Père Jean-Nicès Moulien. Si on peut être haïtien, il y a une année en plus moins parce qu'on a fait formation en séminaire ensemble. Mais monsieur Saoud, depuis au film Père, même si au Brésil, il est allé, pour être capable d'aider la communauté autochtone qui est plus placée dans la zone Manaus. C'était quatre. L'Internet a fait partie, Père sont partie du premier groupe d'haïtiens qui ont quitté le pays, qui a travaillé au Brésil comme missionnaire pour aider l'une ou l'autre nation qui a souffert autant que le peuple haïtien dans la zone nord du Brésil. Je veux dire, plus Manaus, peut-être d'une grande forêt amazonienne. C'est la Nikes Rombantan qui a travaillé. Mon Père Joël Thomas, qui fait longtemps au Brésil, qui a fait longtemps également et Port-au-Prince, qui l'a. Il y a également un père dans le studio 16 cap-haïtien, c'est Père Hugues Baptiste. Père Hugues Baptiste, c'est un prêtre étudiant qui est lié. Il vient quand au prince parce qu'il a étudié la médecine au niveau de l'UNDH. Et en tant qu'étudiant en médecine, il est célébré et particulièrement dans la paroisse Pannan, paroisse Notre-Dame de l'Immaculée et Conception à l'hôpital général. C'est là qu'il est toujours célébré au moins 2 fois par semaine. Et il était vivre ensemble avec Père Saint-Jacques. C'est ça que fait, il était déplacé ensemble avec eux pour y aller dans la cérémonie et d'installation. Après ça, il y a gagné 2 religieuses. 2 religieuses, c'est sœur Anne-Marie Borsellus, c'est sœur Sainte-Thérèse Cullier, et également sœur Agnès Bordeaux, qui c'est française, qui dans la communauté de la Providence. Et puis, il y a gagné 3 fidèles laïques, qui c'est maman. Maman famille Père Jean et Arnel Joseph, c'est maman ni Madame Oxane Dorsellus. Qui libère, certainement. En fait, moi, je présente tout le monde. Et dans tout le monde, c'est maman seulement qui libère. Et également Mademoiselle Lovely Joseph, qui c'est seule. Et qui gagne M. Welder Joly, qui c'est l'une qui c'est parraine Père Adèle. Donc c'est tout le monde sérieux qui kidnappé. Et c'est un seul. En attendant, qui joigne libération, nous, c'est maman Père Anel qui t'est libéré. Il y a combien, mon père? Donc, si je calcule bien, ça fait 5 prêtres, 2 religieuses et 3 membres de la famille. Ça fait en tout 10. Il y a un seul qui est libéré. Il était pratiquement 9 mondes dans la main. D'accord. Ça veut dire qu'il y a 9 mondes qui est toujours dans la main, otage, 11 jours après. Mais l'église l'a fait en pile mouvement. Tout récemment, là, on a décidé de fermer pour toute institution ce 15 avril. Et nous retourner avec même, et souvelé, nous prenons même décision encore pendant semaine ça, jeudi et mercredi. Quelle signification
et campé travail dans institution catholique yo. Radio Mika. Li gen yon double signification. D'ailleurs, si nous gardons et lettre évêque yo, arrêt de travail là, c'est yon point dans différent et ça que nous c'est fait pour que nous arrivions à créer une sensibilisation dans tout pays. C'est ça que nous campons les institutions. Ce n'est pas que nous animons d'une certaine méchanceté. Ce n'est pas là du tout. Nous voulons tout simplement que, à travers ce campé, ça nous fait. Hein, pour que tout le monde dans le pays arrive à prendre conscience, même dans quelle situation l'Église là est, même dans quelle situation tout le pays a été, à partir de kidnapping. Et de là qu'on est capable d'éveiller une prise de conscience, non pas dit dans l'église, parce que nous avons pris conscience déjà, mais pour que toute autorité, tout le monde dans la société soit capable de prendre conscience. Parce que lorsqu'on parle de kidnapping, on peut sentir une chaîne là-dedans. Lundi chaîne, premièrement, les âmes qui n'ont même pas fait le kidnapping, c'est des âmes qui sont très chères pour vous. Pour mettre une munition là-dedans, c'est acheter pour acheter. Donc, on met quelqu'un qui a approvisionné dans nous en armes. Nous voulons que nous sachions, prenne conscience que bagaille là pas qu'à continuer comme ça. Nous voulons également pour que monde qui dans l'entourage. Alors, message là, pas seulement pour l'État, il pas seulement pour pouvoir. Non, mais ça fait pour toute société. Là. Par exemple, responsabilité, ça qu'a fait là, il pas dépend seulement de l'État. Parce que par-delà l'État, il y a pile l'autre main qui participe là-dedans. Et là, nous faisons plus de conscience là. Même les gens qui ont entourage, les gens qui ont fait kidnapping, maman, les gens qui ont gang, proche famille, nous voulons également, pour leur aider par conscience, pour parler avec petit, parler avec frère, parler avec soeur, pour comprendre que le chemin que vous prenez, chemin ça n'est pas mené en quel côté. Parce que Jean-Parole, bon Dieu, a dit, l'autre en chemin mal, il y a de fortes chances que mal là, il retourne sous. Donc, c'est pour ça que nous avons posé action. Ça. Et puis, nous l'avons pris en pile. Nous l'avons pris en pile parce qu'on voit que dans chaque lecture, il y a des activités de prière. Là, nous voulons préciser, quand tout le monde, des fois, qui mal comprend ça, qui dit, ça veut l'église a fait messe noire. Non, n'a pas vu dans messe noire parce que ma vie connaît est-ce qu'elle existe, vrai. Non, ça va exister. Vous devez entendre des personnes dire Abdoulaye n'a pas existé, c'est secret par nous. Il n'y a pas de secret là-dedans. D'ailleurs, m'a parlé de l'émission que tout le monde attendait. Je le dis, je le redis comme prêtre et comme des monde qui fait théologie. Ils ont fait messe noire là. Il n'a pas existé. Mais côté le sorti, il dit l'empile. Nous entendons souvent, moi-même comme catholique, nous entendons souvent. Côté messe noire sorti. Vous gardez la parole. Bon, ça peut faire partie de la parapsychologie de monde qui a qui pensait que yo capable d'entrer l'église là dans des rites de la magie. Non, pas de magie ça du tout. Par exemple, mais ce que mon cher yo pour la prière bon Dieu pour que mon Dieu capable toucher que monde qui prend mon en otage pour libérer. On appelle la prière pour que le monde qui est en otage, il rejoigne une force pour nous traverser ce moment d'épreuve. On appelle la prière pour que l'État, qui des fois trop silencieux, le silence qui frôle une certaine irresponsabilité, voire complicité, pour que l'État arrive à prendre conscience de ça, et pour que nous jeunions un dénouement heureux qui passait que, un, par la libération des otages, deux, par la conversion non seulement de ceux qui font le mal et de nous qui n'ont pas accompagné dans cette salle-là. Mais comme si nous pas, excusez-moi si vous dites, l'église, comme si on dit à midi tout cochonné, bagaille, ça a grand pizza. Oui, oui, elle t'a couché son bagaille mystique. Loin de là. D'ailleurs, nous-mêmes, nous suivons ça qui dit la parole de bon Dieu. Bon Dieu dit que nous ne voulons pas la mort du pécheur, le prophète Ézéchiel. Nous voulons que celui qui vit dans le péché se convertisse et change la vie. C'est ça que nous souhaitons. Mais qui objectif sonne les cloches là, mon père? Non, en fait. Signification. Lorsque sonne les cloches, c'est d'abord un signe de rassemblement. Okay. Par exemple, lorsque dans tout village qui décloche, il marque d'abord les heures pour que qu'on ait ces heures de prière, ces heures de messieurs, ces heures de qui signent pour nous faire mariage et autres. C'est peut-être ça qu'il y a une cloche dans l'église pour rassembler mon yo. Mais pas grand-chose portée mystique dans le sens négatif de
célébration la messe à midi de et son éclat de la prière portée mystiquement positif parce que c'est conversion que l'église a cherché pour tout le monde qui fourrait néo dans mal dans la société et de par la prière non nous souhaitons que nous joignions moyen pour tagio river libéré et que la vie recommence en Haïti de manière globale sans que même phénomène ça qui là qui part là il y a 3 ans pareil ça le chantier de société a pour essayer vivre ensemble pour nous capable de sortir dans la nuit pour que l'on traverse martissant ou pour obliger plein pour que nous vivions tout le monde. Tout le monde capable de vaquer normalement avec occupation sans inquiétude. Mais on se dit arrêt, alors quand on travaille dans l'institution catholique, c'est un signe de protestation à pouvoir l'État ou bien monde qui alimente et gagne. Et en plus, nous entendons qu'il y a des gens de l'opposition, qu'il y a des gens de pouvoir, qu'il y a des gens dans le privé même qui participent dans ce genre d'activité. Okay? Ni moi-même, ni vous-même, nous ne pouvons pas privé vérifier. Mais si nous voulons être sous sa gabdio, mais même Mounsao, nous, récemment, le même secteur Sao, si vous avez là-dedans, récemment, vous faites solidarité avec l'église là. Radio Mega. Bon, l'église là, l'île pour parler pour peuple haïtien en grande partie. Et lorsque, c'est vrai que nous gagnons plusieurs prêtres et religieux en otage, mais par-delà libération que nous avons besoin pour Mounsao, que nous souhaitons, nous qui avons otage à privé comprendre ça, pour que nous pas bon intérêt pour nous faire plus larguer. Mais nous pensons que ces problèmes d'insécurité, problèmes de kidnapping, qui doivent poser d'une manière globale. Je dis à nos réunions, il y a une question que entre nous prêtres doit poser. Et après, admettons que à soya là, nous avons une bonne nouvelle que Bandio nous réfléchit, dit bon, c'est paix, c'est mais, c'est nous qui tapons les noms dans la guillot. Pour la guillot. Un exemple d'abord. Mm-hmm. Et là, qui ça que l'église a fait demain? L'église a doué, quoi qu'il arrive, qu'il y ait une certaine mobilisation pour que les toujours parler dans les oreilles, que ce soit monde qui est dans l'État, monde qui est dans le secteur privé, quel que soit branchouillère, pour qu'on ait que ce soit dans l'opposition ou dans le gouvernement, pour qu'on ait que chemin violence là, chemin qui est lié avec insécurité là, l'État mené pays d'Haïti en quel côté, et ses familles haïtiennes de manière globale l'a fait souffrir. Donc, là encore, nous souhaitons que les deuxièmes tranches, mouvement que l'Église a commencé à, mouvement qui est très pacifique, pour que nous continuions, malgré que nous avons souffert, malgré que nous avons besoin de libération otage, nous continuons avec beaucoup de sagesse, mouvement de sensibilisation. Nous souhaitons que c'est tout pays qui est au processus, que ce soit nous dans l'opposition, que ce soit nous dans le gouvernement, que ce soit dans le secteur privé, que nous tous nous prenons conscience pour nous connaître que c'est Haïti nous y est, c'est Haïti nous vivre et sécurité. En Haïti, pays sans kidnapping, li bon pour tout le monde, li bon pour l'église, li bon pour le monde qui a besoin, li bon pour le monde qui est en opposition, le monde qui est en gouvernement. Au moins, lorsqu'il y a le sourire, même suffit du monde qui n'a pas manger bien, il y a l'autre monde qu'on fait également. Donc, le mouvement a besoin, nous chercher, nous demander solidarité, tout le monde à la Honda, parce que nous pas quoi, kidnapping, insécurité, il fait personne. Plaisir, les bons pour personne. Pour le monde qui t'a pensé que nous climat constant, t'as bon pour son moyen que vous faites. Parce que l'on veut ou non, depuis vous prenez chemin mal, il y a plus de chance pour mal là où retourner sous vous, sous petit ou sous famille. Donc le plus tôt possible, il y a un monde capable de quitter chemin, qui est capable de verser sans le monde, les bon. Et c'est peut-être ça, à soi encore, nous adresser nous à tout le monde qui n'en grandit, quelle que soit la zone que vous avez, en nous essayer de prendre conscience pour nous connaître que nous n'apprenons, c'est nous qui menons vers propre destruction. Nous, l'équipe monde qui n'amène nous, c'est malheureux, malheureuse, vous avez tant que père, tant que mère, pas continuer à faire abus. C'est dans le même niveau social là que nous sortons. C'est le même malheureux que nous avons. C'est le même effort que nous avons fait pour nous aider, famille, nous sortir dans la situation misère, ça, dans l'école, dans l'église. Et autres. La guémonie pour que au moins, famille aussi soit souffrir. Rappelez-nous encore ensemble d'activités et qui démarrent jeudi à Kabout, certainement vendredi, qui ça, qui gagne pendant 3 jours ça, qui
qui ça gagne comme activité pour continuer dénoncer et kidnapping et religieux. Premièrement, depuis jeudi, demain, jusqu'à vendredi, on fait 3 jours d'arrêt. Et là encore, dans le sens limité, l'église a pas fermé l'hôpital. Parce que nous n'avons pas fait ça. Il y a des gens qui ont droit malade, il y a des gens qui ont droit à l'urgence. Nous n'avons pas capable à prêler pour ne pas gagner plus la mort. Et puis nous-mêmes, pour nous fermer l'hôpital, pour que l'autre monde vienne mourir par cause de manque de soins. L'hôpital aurait été ouvert. Et nous fermons l'école avec l'université ou quelques autres institutions en signe de protestation pour être capable de pousser tout le monde à conscience. Parce que presque plus fort le monde dans le pays, il y a un petit tuyau, un proche qui a un certain lien avec l'église de par l'école ou l'université, quel que soit côté dans le pays. Nous faisons ça. Et nous accentuons sur le moment de prière parce que c'est chrétien, nous avons toujours prié pour conversion du peuple haïtien. Et les nous arrivons dans vendredi, après un rassemblement, quand je suis absonné, nous avons fait et adoration du Saint-Sacrement et à midi. On a regardé dans le clavier des psaumes qui choisit pour nous capables de la prier. Même là encore, puis qu'elle mette dans la tête que le psaume choisi, c'est des psaumes terribles pour capables de casser tout le monde, pour capables de faire des bagages. C'est pas ça, il y a du tout. Vous voyez, c'est des psaumes de louange que nous choisissons pour nous capables de la prier, pour que les chrétiens capables de faire. Parce que, au moment de la traversée, lui fait un pile chrétien poser tête des questions. Parce que, en plus, fois, nous nous demandé peut-être qui ça, bon Dieu, pour agir, côté bon Dieu, peut-être qui ça, l'église a souffert comme ça. Mais, nous n'avons pas arrivé à connaître que même les premiers chrétiens, à part de Saint-Jean, qui est mort en exil sur l'île de Patmos, toutes les vieux mourir martyrs. L'église là, forcément, t'es toujours chita dans la souffrance que nous avons enduré. Et pour tes souffrances, ça, je dis à tout le peuple haïtien, nous acceptons. Donc, nous avons fait un mandat d'adoration. Et à 3 heures, nous avons prié à Divine Miséricorde.